Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sakina Family. Je te dérange pas trop à faire la présentation à ma place. C'est bon les enfants, sinon cette vidéo va durer très longtemps. Donc, on dit bonjour à maman qui est derrière la caméra. Merci ta moitié. Bah, aujourd'hui on est là pour vous présenter les achats qu'on a fait lors de nos soldes chez Primark et Gosport. Et Gosport qui est là-bas dans un petit coin perdu, mais c'est pas grave, ça ne nous manque pas. Donc on va tout de suite commencer avec Hikma qui va vous présenter ce qu'elle a acheté. C'est quoi Hikma? Le pliage, d'accord. C'est le haut, c'est quel haut? Bleu. Farwati, c'est quoi comme haut? Donc elle a acheté un haut blanc avec des rouges à lèvres dessus. Pourquoi pas, je veux dire, le cœur. Oh oui, il y a des cœurs. Il y a aussi des cœurs dedans. Et il y a quoi d'autre? Ça a coûté combien le haut? 10,50€. 10,50€. C'est 4€ qu'il a coûté. Ça a coûté 4€. Donc Farwati, tu la montres bien. J'ai lèvres et des cœurs partout. Rouge à lèvres, cœur, rouge à lèvres. Voilà. C'est super. Et donc là, tu as pris un. Un pull. Un pull ou plutôt un. Un gilet. C'est un gilet noir et gris. Tout simple, il a coûté combien Farwati? Tu veux bien regarder le prix de ce gilet? 4€ aussi. Tu tournes derrière. Il est super beau en tout cas. Allez Hikma, il faut lui donner peut-être ton autre sac. Non mais c'est bon, il y a des vêtements. Vas-y. Sors-les tous en même temps. C'est un autre haut. Arrête de regarder ta soeur parce que je sens que... C'est un cactus. C'est quoi? Cactus. Oui, ça pique. Mais ça pique. Et il a coûté combien cette troisième haut? 5€. 5€, donc on vous conseille d'aller voir chez Primark parce qu'il y a des bonnes affaires. Là, il y a le petit cactus, après c'est la même chose partout. Non, il y a d'autres choses. Petites lignes. Ah, c'est un haut marinière avec un caillou. C'est des rayures. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez, Hikma. Allez, Hikma, tu peux le faire. Hikma. We trust in you, Hikma. Tiens, la nouvelle. Ah, il est trop beau celle-là. Pourquoi pas, après tout. Il écrit quoi? Il faut montrer, il est très beau. Oh, en gros, il a. Et il a coûté combien celle-là? 8€. Je pense qu'il a eu une réduction sur 4€, je sais pas, je suis pas sûre. Non, parce que s'il n'y a pas de réduction, tu le tournes derrière. C'est une belle collection. Et tu peux pas faire de seul sur le. Tu vas mettre une nouvelle collection à 8€. Yeah! T'as deux fois mais c'était les seuls. C'est normal, c'est tombé. Non! Ça, c'est l'œuvre. Ça, c'est l'œuvre. Ça va avec moi? Ah. Oh, c'est bien. Et ça coûte combien? Tu la manges? C'est quoi avec moi? 0. Non, c'est quoi ce qui est au milieu? Mais il y a un 10€, allez hop! Et bam! Bon, en fait, c'est bon. Il y a écrit love. Voilà. On est tous contents. Tu m'étonnes que je fais chez les mecs pour faire les courses. Encore un petit! Oui, c'est trop mignon celle-là. Elle est trop mignon. Il a coûté 4€. Je vais la voir plus près celle-là. Il est comme ça. Tu le tournes derrière? On continue les enfants? On va continuer avec les jogging et tout ce qui suit. Donc j'ai préféré prendre pas mal de jogging pour Hikma parce que je sais pas si vous avez remarqué son style, mais elle adore tout ce qui est jogging. Ouais, et donc je lui ai pris, je pense j'ai pris trois jogging tout simples. Hein. C'est pas des jogging de... C'est des jogging tout simples. Vous savez très bien, c'est mon style des jogging. Tu aimes le jogging Nadie? Tu adores ça. Je vais toujours à l'école. Ouais, je pense que j'ai pris 3. Hein. Non, je pense que tu en as pris beaucoup plus. J'ai pris 4. T'en as pris 40. Elle va même pas pouvoir rentrer. Donc là, on a un petit gilet magnifique et amazing. Qui est tout simple, il n'y a pas de. Non, il n'y a rien, mais il est tout simple. Je l'ai vu, il était beau. Mais il était pas assez. C'est à toi? Non, c'est pas bon. Et après, il y a les chaussures. Tu as trouvé quoi? Tu as trouvé quoi? Oui. Donc c'est ça que tu cherchais tout à l'heure? Oui, là-bas. Ah d'accord, eh bien, tu veux bien la montrer, il a coûté combien celle-là? Maman, il a coûté 5€. Il est comme ça. Tourne derrière. Mais
comme ça. Et après, qu'est-ce qu'il y a encore pour Hikma? Des chaussures. Des chaussures. On lui a pris deux paires de chaussures. Et les blanches, d'ailleurs, vous verrez sur le blog. C'est une imitation, mais ils sont vachement bien. Et là, c'est sale. C'est sale à côté? Oui, sale. Excuse-moi, madame. Non, c'est fini. Et les chaussures, ils sont. Tu montres les chaussures? Alors, les chaussures, ils sont comme ça. Comme ça. Comme ça et comme ça. Fait du 39. Oui, mais pas oui. Du 40. Voici les chaussures qu'Ekma a choisi. Donc, elle a déjà une autre paire comme ça qu'on avait acheté chez H&M, qu'on vous avait montré sur un haul qu'Ekma avait présenté. Donc, les chaussures, c'est des chaussures imitation. Ils sont comme ça, ils sont tout blancs, ils sont super jolis. Et Hikma, elle a crié dessus quand elle les a vus. Donc on va continuer avec le magnifique petit Addis. Donc, t'es pas magnifique, t'es pas petit. Donc, on va continuer avec Mohamed. Ah, si, il y a des choses intéressantes. Vas-y, Mohamed, montre. Vas-y, Mohamed. Elle dit ça parce que dans deux jours, ils vont disparaître. Moi? Jamais de la vie je serai faire ça. Tu connais Mohamed. Je suis partie faire mon truc rayon garçon. Oui. Donc alors ici notamment. Ah ça me cache. Un débardeur. Un débardeur de qui? Un débardeur de chez Primark. Mais la marque de Primark qui s'appelle Workout. D'accord. C'est pas Primark. C'est la marque de sport ça. Oui. D'accord. Pas Primark. D'accord. Ton genou fragile. Alors, bon, ça, tout le monde en a des chaussettes. Ouais, c'est des chaussettes. Waouh, intéressant. Franchement, je pense que... Ouais. Ah, moi, c'est vieux, hein. Alors, un jogo. Bon, un jogging. Oh, comment elle l'a dit. Il est vrai, j'ai sa mère, celui-là, dans le vélo. Bon, un jogging. Tout simple. Pas mal, j'aime bien, moi. La fait comme ravie d'inviter. Un autre jogging. C'est intéressant. Voilà. Oui, c'est très intéressant. Oh, et voilà. Un jogging. Un pu. Un slow. Il est magnifique. Tu déconnes, il achète ça et il veut. Tu veux. Tu, j'ai pas trop dit. Mais dans ce genre de frère. C'est à moi. Le très bien. On va mettre le dans un coffre-fort. Et ça, c'est. Non, on va pas. Déjà, ça. Hein, un autre pull de type. Pas mal, je trouve. Pourquoi t'as pipé? Genre, Berlin. Pourquoi Berlin? Je vais le mettre, mais pourquoi non. Berlin? Je vais le mettre le samedi matin quand j'aurai pas envie d'aller en cours, tu sais. Et là, ça c'est mon petit kiff, c'est mon petit. C'est toi qui l'as créé tout ça. Ouais. Regarde-moi ça. Regardez-moi ça. Non, workout. Non, non, et non. Je dis non. La beauté absolue. Vous allez me voir. Il est très très beau celui-là, le noir, le noir avec... Il a le talent, il a le talent. Il est très très beau. Alors ici notamment, un t-shirt pour le basket. Avant que je joue au basket. Merci, merci. C'est tout pour moi. Vous savez déjà... Un nouveau short, parce que mon short du basket, il commence à... Ouais, que Mohamed il fait du basket, donc pour celles qui sont pas au courant, donc Mohamed il est dans un club de basket. Et Addison aussi, parce que je vois, il est en train de me faire l'œil. Ah oui, ma maman aussi. Donc. Ouais, ouais. Là, ils sont sympas tes chaussures. Hein. J'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup la couleur. Hein ouais, ils sont sympas. Et des chaussures. C'est du Et des chaussures. Alors, ça a coûté 16 euros. Cette paire de Primark. Chaussures. Ah ben ouais. 16 euros, Primark. Et l'autre chaussure, elle doit avoir coûté un peu plus cher. Et donc, l'autre chaussure, c'est celui-ci. Déjà, il a l'air un peu plus solide que le précédent. Il a coûté 16 euros, c'est le même prix. Donc, j'aime beaucoup, je trouve que cette paire-là, il est un peu plus solide que l'autre paire précédent. Ouais, ça fait, c'est vrai, ça fait ultra homme, ça fait habillé et il est sympa. L'autre, il fait un peu plus décontracté alors que celui-ci fait un peu plus... un peu plus homme, je trouve. Et donc, comme je suis la meilleure, on garde pour la fin et on va continuer avec Addison. Moi non, le pape. Ah, il existe en fait. Je sais que ça peut paraître dingue, mais il existe. On y va, Addy? Oui.
sûr. Alors, c'est quoi? Un gilet. Un gilet. Il a coûté combien, a dit ce gilet? C'est de l'autre côté, en fait. 12 euros. 12 euros, ouais. Ah, c'est un gilet tout simple. Mais pas ça. Ensuite... Ah, le petit kiff d'Addison. Addison, il adore les chemises. Donc, moi aussi, j'adore. Mais je l'ai passé son, ah, si, son dada, c'est... Ça a coûté 7 euros. 7 euros cette chemise? Oui. Ah d'accord. Une chemise de la marque Rebelle. Hein. Mais ça c'est des chaussettes. Ça c'est des chaussettes. Des chaussettes. Des leggings, non. C'est ça? C'est un jogging. Ah, des jogging. Un jogging. 5 euros. Le jogging a coûté combien? 5 euros. 5 euros. Ah d'accord, le jogging a coûté 5 euros. Ah, les chemises avec une capuche aussi. Il adore ça. Je sais pas, il a quoi avec en ce moment, mais son petit kiff aussi. Voilà. Voilà. Il adore. Et notamment. On dirait là. On dirait que c'est un croissant. Addison, tu n'as pas pris ça. Est-ce que tu as regardé la taille? Tu avais regardé? 4, 5 ans. Ah, bon bah pose-le, ne touche à rien, on va y aller le rendre. Un gilet. Un gilet. En tout cas, tu adores les gilets. T'as de la chance d'être petit, Addison. Tu l'auras plus jamais revu sinon. On en fait tant, ma frère. Ne fais pas de pousser des croissants. Et un autre gilet. Qui a coûté combien ce gilet-là? 7 euros. 7 euros, ok. Et pourquoi t'as laissé ton frère prendre ça? Mais c'est beau, c'est archi beau. Mais c'est très beau. Moi j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Il y en avait un comme ça, version garçon. Mais j'ai pas pris. Et tu as acheté un bonnet. Petit jogging. J'espère que t'as pris la même taille. Non, j'ai pris la même taille, mais on est. T'es sûr? Oui, j'ai pris la même taille. Ça se voit maintenant. Ok. Ça se voit qu'il est grand. Ok, alors maintenant je vais juste voir le prix. 14. J'ai 10, 11 ans. C'est très bien. Le prix déjà. Le prix. 4 euros. Il a coûté 4 euros. Les sols chez Primark, c'est pas vraiment des sols, c'est les. Ça mais aussi. Mais pourquoi il est trop petit? Ça c'est aussi un workout. C'est normal que c'est beau. Alors là. C'est beau? Addison. C'est pas terminé. C'est pas terminé? Ça coûtait 12 euros. 12 euros? Ce n'est pas terminé. Ah, c'est terminé. C'est pas fini. Addison, et ta paire de chaussures. Et ta paire de chaussures? Ah oui. Qu'on est parti acheter chez Gosport. C'est fini. Ah, t'as un bête. Waouh. Ils sont super. Voici la paire de chaussures que Addison il a acheté. C'est de la marque Peak. Donc vous le voyez, c'est écrit dessus. Ils nous ont coûté 54 euros. Donc voilà, ils sont tout sympas, tout mignons, tout simples pour aller à l'école. On ne les a pas achetés chez Primark parce que chez Primark, il n'y en avait pas de chaussures pour Adi. Enfin, il n'a pas trouvé sa taille. Du coup, voilà. Et c'est enfin mon tour à moi. Il a dit quoi tout à l'heure? L'une des meilleures, elle a dit quoi tout à l'heure? Celle qu'on adore tous. C'est moi. Nous là, ils sont modestes quand même. Alors, c'est parti. On y va. Excuse-nous. Jean-Pierre de la fourchette. Jean-Marie, Georgette, tu vas te calmer tout de suite. Excuse-nous, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Donc, ça, c'est une face à. Une veste ou une chemise? Ok. Donc ça c'est une chemise à carreaux parce que j'ai énormément de chemises à carreaux. En réalité j'en ai deux mais j'ai beaucoup de chemises. Et trois plus celle de moi-même. Mais j'ai beaucoup de chemises. Et j'adore les chemises à carreaux mais malheureusement je peux pas en acheter beaucoup. Mais après ça se ressemble à peu près toutes. Du coup celle-là je l'ai prise verte. Et j'en ai deux rouges il me semble. Et celle-là. Et j'ai deux chemises en jean. Voilà. Ok. Elle est très jolie la chemise. Je sais, c'est parce que c'est moi qui l'ai choisie. Ah, restons modestes comme je te l'ai dit. Très bien. La femme. Il applaudit. Je sais. J'ai même pas regardé. Non. Non. C'est parce que tu sais que c'est beau. Non.
Non. Et ça c'est quoi celui-ci? Non. Donc ça c'est un pull, c'est un pull chemise. D'accord. Avec un col Claudine en fait. C'est un pull avec un col Claudine. Petite référence à Claudine. Moyen. Si tu nous vois. Un petit coucou. Petit coucou à toi. Donc ça c'est un pull, un sweatshirt que je suis partie chercher du rayon Carson parce que j'adore ce qu'ils font là-bas et que les sweatshirts là chez les mecs c'est vachement les meilleurs, c'est tout le temps les meilleurs. Donc voilà. Forcément. Les meilleurs. T'es partie chercher ça dans le côté rose ou pas? Redescends. Voilà. Donc j'ai acheté ce petit qui m'a coûté 2€. Il est vachement cool, il est sympa et enfin, on verra bien avec quoi je le mettrai. J'ai acheté ce jean à Primark aussi. Magnifique. Il est déchiré. J'en avais jamais encore vu des jeans déchirés. Donc c'est une première. Donc ça c'est un jean classique. Bleu. Voilà. On passe sur les détails du bleu. Ça c'est. Oh, c'est un couleur. C'est en couleur. C'est rare que je prenne des couleurs, mais je l'ai fait. Et ça a donné ça. Ça c'est un bleu, c'est un jean noir. Jean noir, voilà, ça va avec tout, c'est toujours pratique. Et le meilleur pour la. Après il y a les chaussettes. Et le meilleur pour la, les chaussettes. Mon jogging Harry Potter. Harry Potter. Peau de fleurs. Ok, c'est bon. Donc voilà, c'est ma petite fierté. Je l'ai trouvé, j'ai fait très bien si je le prends pas. Je m'en voudrais toute ma vie. J'avais vu des hauts. Harry Potter. Comment ça s'appelle? Non. J'avais vu des. Oui, j'avais vu des hauts Harry Potter de chez de la maison Serpentard. Voilà. Tu connais les vrais. De la maison Serpentard, mais je les ai pas pris. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête pour pas les prendre. Mais j'ai pensé à. Et c'est déjà pas mal. Moi j'aime pas la maison. Donc voilà. Et on m'a pas pris de chaussures parce que voilà, malheureusement je n'ai pas trouvé mon bonheur. Mais j'ai ramacheté des chaussures tranquillement dans un avenir proche. Et ben les enfants, vous êtes contents de tout ça? Oui, oui, oui. Vous êtes contents de vos vêtements? Si, oui, claro. Vous êtes contents. Es mucho chose? Bueno. No sé pas hablar en español, pero. En tout cas, aujourd'hui, on a rencontré énormément d'abonnés, on a reçu plein de messages. Ouais, alors, je sais pas si vous m'avez vu, mais au cas où vous posiez la question, j'étais aussi à Prima. Parce que apparemment, ils ont croisé des abonnés, mais pas moi. Donc oui. J'ai là. Bon, si vous nous reconnaissez dans la rue. Vous devez venir quand vous voulez. Je ne crois pas que vous ayez peur de venir nous voir, nous dire bonjour. Vous avez compris, je pense. En tout cas, vous avez compris que si vous nous voyez, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou parce que là, on reçoit plein de messages sur Snapchat, sur Instagram. Oui, on vous a vu, mais on n'a pas osé venir vous voir. Et je dis merci à toutes celles qui sont venues nous faire un petit coucou. Oui, ils ont eu le courage de venir nous voir. Et franchement, on vous adore. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Alors, pour clôturer cette vidéo, n'oubliez pas, comme d'habitude, d'aimer, de partager, de liker. Amour, on vous aime très fort et à très bien vite. À très bien vite. Oscar du meilleur. Mais tu sais très bien parler la France, en vrai, tu sais bien. Et du coup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.